aujourd'hui, nous avons transporté une pale d'éolienne, une parmi les 15 pales. Une pale fait 35 mètres de longueur, parce qu'on est sur des machines qui font 70 mètres de diamètre de rotor. Pour transporter cette pale, on a fait appel à une remorque spéciale. Donc une fois sur la remorque, la pale peut se lever jusqu'à 60 degrés et puis peut s'orienter à droite ou à gauche selon les obstacles qu'il y a à franchir. Ce genre de transport est très impressionnant, c'est pour ça qu'on a vu notamment beaucoup de foule ce matin tout le long de la route et autour du convoi. Ce transport-là demande beaucoup de temps. On a une vitesse moyenne, on va dire entre 2 et 4 km/h. Donc pour pouvoir faire les 11,6 km exactement qu'il y a entre l'aire de stockage et le site, on prévoit à peu près entre 5 et 6 heures. Ce transport de pales justement a demandé beaucoup de préparation, donc on a dû aménager la route, notamment tout ce qui était réseau aérien. Ensuite, il y a l'élagage des arbres évidemment, et malgré tout ça, on se rend compte que ça passe très juste par rapport à certains endroits spécifiques de l'itinéraire. Donc parfois on est à quelques centimètres, j'ai envie de dire un mètre de marge. On a vraiment découpé notre itinéraire en tronçons parce que quand on fait passer le convoi, on est obligé de fermer la route pour ne pas avoir de dépassement du convoi. On a attaqué le transport mi-juin, donc le 19 exactement. On va terminer fin juillet. Et puis au fur et à mesure qu'on transporte des éléments, on a déjà la grue principale sur le site, sur le parc éolien. Ça permet un petit peu de monter les machines en flux tendu. Quand les éléments arrivent, on les monte quand les conditions météo le permettent. Le but étant qu'on termine tout le montage mécanique et électrique fin août des 5 éoliennes. Et ensuite, on aura une réception et une mise en service de tout le parc éolien en octobre 2017.